Il y a des jours où avec toute cette situation, ben, on tombe à 3-4 agents par aile, alors que le minimum en général dans les ailes, c'est 7 agents suite à la pandémie. Bon, il y a malheureusement des, comment dire, des conséquences à la rationalisation qu'ils ont fait du monde du personnel dans les prisons en 2016. Donc, en réduisant le personnel, ben, il suffit qu'il y ait quelques malades pour que, bon, il y ait tout à fait un manque de personnel. La population nationale, normalement, elle est de 9 500 détenus. À l'heure actuelle, on est à 10 700 détenus. Il y a beaucoup de tensions vis-à-vis des détenus qui, bon, ben voilà, suite à la pandémie, se retrouvent parfois à deux dans des cellules. Il y a des bagarres en cellule. Donc, les mouvements vers les préaux, on ne peut pas lâcher 20 détenus comme ça en une fois sur les ailes, parce que si ça démarre, ben avec les trois agents dans l'aile, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est s'en courir. Hein. Donc voilà, ça devient une chose. Alors, donc, dans la conciliation aussi, il avait été demandé de permettre aux agents, parce que bon, suite à ce manque de personnel, les agents n'ont pas vraiment le temps d'aller manger. Normalement, ils ont droit à une demi-heure de table pour aller au réfectoire, au mess, chose que bon, ben, beaucoup d'agents n'ont plus l'occasion.